Mais la thermodynamique de la ruche, c'est le phénomène de chaleur que la colonie va devoir gérer à l'intérieur du corps. En hiver, la colonie va se grapper. Elle va se grapper de plus en plus serrée ou se développer sa grappe un peu plus fort en fonction de la température. Par contre, il y a des petites abeilles qui sont au niveau musculaire, tout près des ailes, qui vont permettre de chauffer cette grappe, surtout la partie centrale, pour un certain confort. On parle peut-être de 20, 25, peut-être 30 degrés au milieu de la grappe en hiver. Par contre, les abeilles extérieures, qui elles vont commencer à un peu, entre guillemets, à se les geler, à 7, 8, 10 degrés, elles vont petit à petit rentrer au milieu de la grappe. Donc il y aura un mouvement constant, régulier, pour aller se réchauffer, et les autres vont venir à l'extérieur pour pouvoir prendre de l'oxygène. La colonie en hiver n'est jamais en léthargie, elle est toujours légèrement en mouvement. C'est simple, vous tapez sur la ruche, vous allez entendre un bruissement qui donne un signe de vie à l'intérieur de la colonie. Il y aura toujours une ventilation pour permettre de rentrer de l'oxygène, de l'air frais pour survivre pendant l'hiver. Par contre, c'est quelque chose hyper important, c'est de laisser la colonie avec des cellules vides pour l'hivernage. Quand la colonie va se grapper, des abeilles vont pénétrer à l'intérieur de la cellule, souvent la tête vers le bas, pour permettre de réchauffer l'ensemble. Ne donnez pas de la nourriture en exagération, elles n'arriveront pas à chauffer et à maintenir la température de la grappe. Donc il faut des cellules vides. Donc on nourrit avant la naissance des dernières abeilles d'hiver. La grappe va se déplacer pendant l'hiver en fonction du besoin en nourriture. Dès que le couvain va apparaître, donc dès que la reine est en ponte, la colonie va se fixer à cet endroit-là. Et elle sera obligée de se déplacer en allant chercher de la nourriture pour le rapprocher du couvain. Et là, souvent, il y a des pertes pour des colonies qui ont développé du couvain trop tôt. Les abeilles ne quitteront jamais le couvain pour aller chercher de la nourriture s'il le fait froid. On ne peut pas s'étonner de voir des colonies mortes, entre guillemets, de faim sur le couvain avec des réserves de nourriture aux extérieurs. Important de réduire le corps de ruche en fin de saison pour que la nourriture soit proche de la grappe d'abeilles. En hiver, on va avoir une isolation assez importante, mais aussi en été. L'isolation en hiver va permettre d'avoir une température constante dans la ruche, mais en été aussi, il va permettre d'avoir une température plus facile à réguler pour la colonie, pour les abeilles ventileuses. Mais l'isolation doit être aussi avoir une ventilation. Quand on surisole, on a un effet de condensation à l'intérieur de la ruche. Et cette condensation-là doit être éliminée d'une manière ou d'une autre. Cette condensation-là retombe sur le dos des abeilles et c'est le pire ennemi de la ruche, c'est l'humidité. Mais comme bénéfique en hiver, c'est surtout la quantité de nourriture qu'on va éviter de donner. Et moi, je donne sur eux du miel. Bon, moi, j'ai des colonies qui hivernent avec 8 kilos de miel. Elles se retrouvent au printemps en pleine forme et encore de la nourriture de trop. Et en été, ça va permettre d'augmenter la longévité de l'abeille. Et les derniers jours, c'est le butinage. Donc ma petite récompense dans la hausse, elle sera la bienvenue.